Avec l'hiver à nos portes, on peut enfin commencer à pratiquer nos sports préférés. Par contre, il y a certaines précautions qu'on peut prendre pour s'assurer qu'on le fasse de manière sécuritaire. Voici donc ce que j'apporte dans mon sac en tant que secouriste pour éviter les urgences en montagne. Évidemment, la première chose qu'on veut toujours avoir, c'est un moyen de communication sûr. Ça peut être votre téléphone cellulaire ou un système SOS GPS comme le Garmin InReach. Assurez-vous que si jamais vous dépendez de votre téléphone cellulaire, d'avoir un petit chargeur portatif au cas où il perd sa charge. Ensuite, on veut avoir une lampe frontale vu que les journées sont plus courtes en hiver. Une couche plus chaude pour votre système multicouche. Une paire de gants et une paire de bas en surplus. On peut aussi avoir des réchauffements comme de style Hot Pock. Et on veut toujours avoir notre trousse de premiers soins avec nous. Finalement, comme n'importe quelle aventure, on veut avoir assez de nourriture et d'eau pour subvenir à nos besoins au cours de la journée. N'oubliez pas que le contenu de votre sac, c'est vraiment selon vos besoins personnels. Si jamais vous prenez des médicaments comme un EpiPen ou une pompe d'as, par exemple, n'oubliez pas de l'apporter avec vous. Bonne aventure et restez prudents!